sommes heureux d'être le premier pays invité d'honneur du FEMUA parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso constituent un seul pays. La Côte d'Ivoire, c'est l'autre nom du Burkina Faso et le Burkina Faso, c'est l'autre nom de la Côte d'Ivoire. Nous sommes liés par l'histoire et la géographie, mais j'ajouterai beaucoup plus par la culture. Nous sommes heureux parce que le président Alassane Ouattara et son frère Roch Marc-Christian Kabore se sont résolument engagés à davantage rapprocher nos peuples à travers la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération. Je dois, du haut de cette tribune, et sous le contrôle de mon aîné, le ministre Bandama, affirmer qu'un des volets du TAC qui marche le plus, c'est bel et bien le volet culturel. Il y a 2 ans, la Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur du FESPACO. La Côte d'Ivoire était fortement représentée avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Lors de la célébration des 50 ans du FESPACO, qui a eu lieu il y a à peine 2 mois, mon aîné Bandama Kwaku, à la tête d'une forte délégation, était présent à Ouagadougou pour nous soutenir. En 2018, il était encore présent pour nous soutenir à la Semaine nationale de la culture. Moi-même, j'étais ici présent l'année dernière, lors du dernier Massa, avec une très forte délégation. Dans le domaine du cinéma, il existe de plus en plus de nombreux films coproduits entre nos deux États. Durant d'ailleurs mon séjour, nous aurons à faire le point de l'évolution du TAC entre nos deux États au plan culturel. On peut donc oser affirmer que jamais dans l'histoire de nos États, la coopération culturelle n'a aussi bien marché au plan institutionnel. Ce qui se passe aujourd'hui au FEMUA n'est que le fruit de cette belle coopération voulue par nos deux chefs d'État. Distingués invités, mesdames et messieurs, en plaçant cette 12e édition sous le thème « Genre et développement », les organisateurs abordent un des problèmes majeurs des sociétés africaines en ce 21e siècle. En effet, nous ne pouvons pas aspirer à nous développer si la frange la plus importante de notre société est marginalisée. Mais contrairement aux idées reçues, en cette ère de mondialisation, je voudrais rappeler que la femme est et a été et sera toujours un pilier essentiel des sociétés africaines. Et l'histoire de la reine Pokou, de la princesse Yenega, de Sogolon Kedjou, des Amazones de Samori Touré sont là pour traduire combien la femme a toujours occupé une place très importante dans les sociétés africaines. Dans le domaine de la culture, les femmes portent en elles-mêmes la culture. Ce sont elles qui transmettent un des éléments les plus importants de la culture, à savoir la langue. Voilà d'ailleurs pourquoi l'on ne parle pas de langue paternelle, mais l'on parle de langue maternelle. Et de ce point de vue, le Burkina Faso est très engagé et est à l'avant-garde de ce combat pour le respect de l'égalité entre hommes et femmes. Nous sommes présents à cette 12e édition du FEMUA avec une très importante délégation d'artistes qui vous présenteront diverses facettes de notre riche patrimoine culturel. Au-delà de la culture, vous aurez à découvrir les produits made in Burkina Faso, dont notamment le Faso d'Anfani, dont je suis joliment habillé, le Coco Donda. Parce que le Burkina Faso a compris que, comme le disait notre ancien président Thomas Sankara, pour vivre heureux, nous devons apprendre d'abord à penser, à manger, à nous vêtir en tant qu'Africains. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos en félicitant les initiatives du FEMUA, en particulier M. Traoré Salif Dia Salfo, dont le groupe d'ailleurs est venu à l'ouverture du FESPACO. Le FEMUA est aujourd'hui, j'allais dire, un des plus grands festivals de musique urbaine en Afrique. La notoriété de ce festival a dépassé les frontières ivoiriennes et africaines.
le FEMUE est devenu international. À travers cet événement, messieurs les promoteurs du FEMUE, vous projetez à la face du monde une image très positive de l'Afrique. Cette Afrique qui, en dépit de tout ce qui s'est dit, reste debout et marche résolument vers l'avenir. J'encourage les promoteurs à garder ce cap. Et si ce n'est déjà fait, en relation avec mon homologue ivoirien, il serait souhaitable que nous proposions le dossier du FEMUA à l'inscription des grands festivals au niveau de l'Union africaine. À toutes et à tous, chers festivaliers, je souhaite un très bon festival. Vive l'amitié entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Vive le FEMUA. Je vous remercie.